Et bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Crown and Conceal, niveau 47, j'espère que tout va bien de votre côté. Alors, on est avec 6 pièces d'or, et du coup ce qui est intéressant, vous l'aurez compris, c'est de pas faire ça, on va relancer la map. Voilà qui commence bien. Donc visiblement, la map est protégée pour pas qu'on se prenne de territoire, ce qui peut être gênant. Hein. C'est assez curieux quand même des fois. Comme si on n'avait pas le droit de jouer correctement dès le premier tour. Parce que là, la seule chose logique à faire, c'est d'aller prendre la mine. Mais bon. Donc, on va faire ce que le jeu attend de nous. Mettre une cité, on va garder des sous. Et on ira chercher la mine dans le deuxième tour. Merci pour la cité qui vient de disparaître comme par enchantement. Et voilà, c'est ça. C'était protégé pour éviter qu'on prenne ça d'assaut dès le premier tour. Donc là, on va espérer garder la mine. Ok, ça c'est nickel. On va mettre une tour sur la mine, une cité à côté. Il veut pas qu'on garde nos cités, hein, c'est un truc de fou. Parce qu'on est les seuls à mettre des cités en fait. Alors, que pourrait-on faire? Est-ce qu'on pourrait se débarrasser de ce petit mec-là? Oui. Bon, maintenant, il reste plus que le rouge. Alors, ça coûte cher en bateau, toute cette histoire. Du coup, on va faire un peu de sous. Oh, sérieux? En même temps, les autres, ils sont tellement mauvais qu'il n'y a que moi qui me prends les saloperies. Ok, on va essayer de prendre ça. C'est raté. Ok, on n'a pas eu de misère. C'est plutôt pas mal. Ok, on va mettre une tour dessus. 3 PO qu'on peut pas utiliser. Une rébellion sur une tour, décidément. Voilà. On va prendre le bateau. Ok, on passe le tour. Et on se prend une plaque juste sur le machin qu'on vient de conquérir. Ah, décidément, je vous jure. Donc là, on peut directement mettre une tour, une cité, ici une tour. Hop. On s'est pris une plague, hein, comme vous l'avez vu. La petite plaque du tour. On va aller reprendre ça. Il nous reste des sous pour aller envahir des îles. Alors, est-ce qu'on en a assez pour... Non. Bon, là, ça devrait être bon. Ok, allez, on enchaîne, niveau 48. Alors, à quoi ça ressemble? On a le violet ici, qui va nous faire chier. Le rouge et le jaune vont se fighter vers ici. Allez, c'est parti. Donc, on prend ça. On fortifie direct. On cherche même pas à comprendre. On prend le territoire derrière et c'est parti. Donc là, l'objectif, ça va être la cité ici, qui est gratuite. Mais le violet va sûrement s'en emparer. Ok. Donc il n'y a plus d'objectif ici. Hein. on va se fighter le violet. Hein. Alors on va faire attention. Je vais attendre qu'il s'éparpille un petit peu. Éventuellement qu'il enlève sa tour. Enlève ta tour, mon coco. Non. Ok. Donc on a 14 PO. Et là, ça va être suffisant pour dégager le violet. Allez. Ok, donc on peut mettre une tour ici. On va mettre... Allez, des cités. On peut prendre encore un territoire. Hop, voilà. Et après, on ira les emmerder un petit peu, je pense. Ah, petite rébellion en plus sur une tour. Ça te fait perdre bien 5 PO, quoi. Ok, ah, on peut aller directement sur ce machin-là. Donc on va mettre une tour. On va faire tac. Ensuite, on va mettre ici. On va venir prendre ce machin-là. Et on termine.
Ah, il a fait ce que je voulais. Est-ce qu'il y a un lien ici? Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va mettre une tour en prévision. On va se mettre ici. Là, on va se faire des sous, hein, concrètement. Ok, terminé. Donc on s'est fait envahir ici. Je sais plus ce qu'il y avait d'ailleurs. Ok, donc ils sont à peu près équivalents en termes d'argent. On va remettre une tour ici. On n'est jamais trop bien défendu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Il y a un truc là ici encore. Il y a encore un territoire à un pixel. Oh là là. Il nous reste 18 PO. De toute façon, on peut. Il faut commencer par un bout. Ok. Donc je propose qu'on prenne ça, qu'on mette une tour, qu'on assoie nos défenses ici en mettant une autre tour et qu'on passe le tour. Je pense qu'on est pas mal. Ah, on se les a fait reprendre, c'est pas vrai. Bon, il n'y a plus de défense derrière, c'est l'avantage. Alors du coup, on revient et on est parti. Hop, hop. Alors je réfléchis à pas faire de bêtises. Hop, une tour. Ok, ça c'est nickel. Donc il reste plus que le petit vert. Et je pense que dans le tour là, on devrait pouvoir s'en débarrasser. Il n'a pas énormément de défense. Peut-être juste cette île là qui va rester. On va se débarrasser déjà de tout ça. Alors celui-là va peut-être nous coûter cher, on est à 20. Pourquoi j'arrive pas à cliquer dessus? On est à 19, on n'a rien perdu. C'est pénible hein, des fois de cliquer à travers rien du tout. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser directement? Peut-être. Non, ça suffira pas. Ça ne suffira pas. Du coup, il va certainement me reprendre quelques territoires. Oh, nickel. Il me reprend pas tout, de toute façon on était largement. C'est quand même terrible, c'est. Des fois, il se passe des choses. Allez, map 49. Bah là on est plutôt bien. Hein. On a de quoi voir venir devant nous. Le rouge est carrément bien lui. Hein. Lui il est tranquille easy là avec. Alors, est-ce que c'est possible? De taper un rush vers les mines là-haut. Donc on en a une. Ouais. Donc je pense que il va falloir essayer d'aller chercher ces deux mines et de les protéger. Ça c'est une quasi-certitude. Après redescendre chercher l'autre mine en dessous. Alors qu'on fasse pas n'importe quoi. Plutôt déjà protéger cette mine là et après on essaiera d'avoir la mine d'après et on défendra les points stratégiques, donc je pense ces territoires là par exemple, celui-là et celui-là, et puis après on verra bien ce qui se passe. Donc là dessus on met une tour. Je pense qu'on peut prendre ça, mettre une tour. Ça fera barrage contre le rouge et après il faudra faire barrage contre le violet. Et après on pourra voir comment on s'étend, comment on fait des sous, qui on combat. Ok, donc lui il va falloir faire attention. Là on va essayer de se protéger contre le violet. Regardez toutes ces sous. Donc c'est intéressant d'avoir les mines hein, quand même. Je pense que ça nous aide pas mal. On va essayer de prendre ça. On va mettre une tour ici. Non, une tour ici, voilà. Il nous reste 4 points. Donc c'est peut-être intéressant de faire. Ah, j'ai mal calculé. C'est pas grave. Hop. Alors, on croise les doigts. Tout tient bien pour l'instant. On a masse pognon. Le violet est le plus dangereux. Mais il est à notre portée. Déjà ça, voilà. On va rajouter une ligne de défense ici. On va prendre ça, ça, ça.
Tac, tac. Ici, on met une tour. Et hop. Voilà, là on est bien. On est bien. On se calme. On se calme. Alors, on va aller un peu reprendre tout ce qui est parti là. Tac, tac. Ok, donc là on est définitivement bien. On va mettre une tour ici dans le coin histoire d'assurer. Objectif maintenant, ça va être de s'emparer de cette mine ici. Là, le problème, c'est que tout est collé. Limite, on peut faire ça. Hop, hop, hop. Alors là, si le rouge y passe, moi, je sais pas ce que je fais. Si le rouge arrive à arriver jusqu'ici, ah bah oui, forcément. Si on triche en prenant le bateau. C'est pas bien gênant non plus. Alors, on va reprendre ça, ça et ça. On va aller ici, on va mettre une tour. Il nous reste 21, 18 pièces d'or. Alors, débarrasser de ça, on met ça ici et on passe le tour. Ok, toi tu vas reprendre 3 ou 4 terrains, c'est pas grave. Tu balances toutes tes sous là-dedans. Nous, de toute façon, on en a 10 fois plus que toi des sous. Enfin, 10 fois plus, peut-être pas, mais on en a pas mal. Alors, bon, déjà on y voit un peu plus clair. On va essayer d'aller prendre ça, ça, ça. Vraiment tout au bout du bout. Hop. Continuer la progression vers le nord. On peut pas mettre de tour, c'est pas très grave. Nous reprendre le territoire ici, peut-être deux ou trois. Ah, une belle résistance quand même. Bon, on a gardé notre mine ici, c'était le principal. Allez, il n'y a plus qu'à y retourner. Et là, on s'en débarrasse. Alors, il est très chiant ce territoire. Il y a plein de petites zones d'eau et quand vous cliquez dans l'eau, ça annule votre sélection. Ok. Bon, on peut aller sur la map 50. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On est où, nous? On est ici, les rouges sont ici, le violet et le jaune. On part très mal parce qu'on n'a que 3 pièces d'or. Du coup, que faire? On va rester comme ça. Parce que si on s'étend, de toute façon, il allait nous reprendre notre territoire. Comme ça, c'est eux qui ont dépensé leurs sous. Et nous, là, ce qu'on peut faire, c'est tac, 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 et tac. Boum, dans ton cul. Donc, hop, on va faire ça. Et là, on est plutôt pas mal. On a 7 pièces d'or. Alors les deux là c'est ouvert, c'est ça? Oh non, caca boudin. Alors on retourne là-dessus, on fait ça, et est-ce qu'on a un peu de chance avec le bateau? Ok, nickel. Map niveau 51. Oh, 3 pièces d'or, ben, on peut rien faire. Peut rien faire. Donc après l'objectif, ça va être de prendre celui qui prend le contrôle de cette île là, à mon avis, il va se mettre plutôt bien. Là, ils se sont fait la guerre. Ouh, le violet. Le violet, c'est pas bon ça, ce qu'il nous fait. C'est
c'est pas très gentil. Mais nous non plus, on n'est pas gentil. Le problème, c'est qu'il va nous reprendre notre truc. C'était peut-être pas forcément la top idée. Ah, dommage. On aurait pu se débarrasser du violet du monde. Laisse-nous la mine. Bon. L'avantage, c'est qu'elle servira à personne. Ok, on parlait trop vite. Bon, on a perdu. Donc, on va relancer la map. Alors, on compare toujours avec nos trois petites pièces d'or. Hein. Ça va être vraiment compliqué. 6. Alors, avec 6 pièces d'or, qu'est-ce qu'on fait? On va passer. On va les laisser se friter la tronche. Donc là, potentiellement, si on prend ça et qu'on met une tour, on est plutôt bon. Ah. Oh, terrible. Terrible, 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 terrible. Ok, on croise les doigts. Faut qu'on le garde. Oh non, pour non, la rébellion là-dessus. Oh, l'horreur. Oh, l'horreur. Bah, à part croiser les doigts, on se reprend en rébellion. Bon, on relance la map, c'est pas grave. On a l'habitude. Ça va être compliqué. Hein. Faut du RNG, là, qui les fait swapper, en fait. C'est pas forcément... pas forcément évident. Ça, faut l'avoir du premier coup et faut la garder surtout. Allez, on croise les doigts, pas de rébellion, pitié. J'ai eu peur. Vu la petite pièce, j'ai cru que c'était un crâne qui sortait. Ouh, il n'y a plus rien ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on croise les doigts, on serre les fesses, un deuxième tour. Ok, nickel, Michel. Et là, du coup... Ouais, mais on n'est pas large non plus en termes de... En termes de pièces, ça va me coûter 4, il va me rester 4. Beaucoup de chance. Et si on va là-dessus? Et si on va là-dessus? Merde, mes sous. C'est typiquement la map qui peut être qui peut poser problème. Et si on fait ça? Allez, on tente. Ok. 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 Bon, c'était un peu osé. Mais fallait le faire. Sans ça, à mon avis, on n'aurait pas pu gagner. Alors que là, on va pouvoir s'en sortir, du moins je l'espère. Ok. On va mettre ça ici. Laisser mes îles tranquilles. On essaye de prendre ça. Ok. Allez. Ok, on est bien. On prend ça, on prend ça, on prend ça. On prend ça alors, si vous voulez pas, on prend plutôt ça, d'accord. Ah non, ma super bille. On le reprend et ça, on le pourrit. Ok, ça marche. Eh ben écoutez les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. D'ici là, amusez-vous bien. À tchou tchou.